Qui n'arrête pas les sportifs amateurs. Des parcs et des terrains de foot qui se remplissent en fin de journée, malgré leur fermeture due au confinement. Vraiment des situations très variables. Des gens qui nous disent, voilà, moi je sors de chez moi, la police m'a dans le collimateur, donc j'ai été verbalisé un certain nombre de fois sans même qu'on vérifie mon attestation. C'est des choses qui sont extrêmement difficiles à vérifier, mais on a des situations très variables. Globalement, les gens qui sont déférés, c'est malgré tout des gens qui sont des hommes, jeunes, beaucoup de gens dans des situations très précaires. C'est difficile de dégager un profil type, mais globalement, c'est des gens qui viennent des quartiers populaires. Parce qu'en fait, si on prend le parallèle avec les contrôles d'identité, c'est déjà dans ces secteurs-là où il y a le plus de contrôles d'identité. Les personnes qui sont issues qui vivent dans ces quartiers-là, en fait, vivent beaucoup plus de contrôles d'identité que le reste de la population. Alors, il y a des chiffres, il y a une étude qui a été faite par Open Society qui montrait qu'une personne en temps normal, qui était d'origine étrangère, d'apparence d'origine étrangère, était 7 fois, 8 fois plus contrôlée qu'une personne qui apparaissait comme blanche. Dans le confinement, en fait, ces dynamiques-là vont se reproduire je ne vois pas pourquoi ces dynamiques-là se ne reproduiraient pas. Après, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en jeu. Donc, il y a la densité de population qui va montrer qu'il y a plus de contrôle dans les quartiers. Il y a aussi le fait que peut-être dans les quartiers, aujourd'hui, on trouve plus de personnes qui ne peuvent pas respecter le confinement, c'est-à-dire qui sont obligés d'aller travailler, obligés de se déplacer, et donc du coup qui sont plus facilement dehors, et donc du coup plus facilement sujettes à un contrôle. C'est aussi des zones où, le cadre d'habitation, c'est-à-dire que quand on a des petits appartements, qu'on peut être plusieurs dedans, ça aussi incite un peu plus à sortir, parce que ça devient très vite pesant de rester dans le même appartement avec... plus petit avec une famille ou avec des colocations, c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi plus de contrôle dedans. En revanche, et là ce que nous on pense et ce qui ne fait pour nous quasiment aucun doute, c'est que la dynamique qu'on retrouve dans les contrôles aux faciès sur les contrôles d'identité en période normale, en fait on va la retrouver également dans la période de confinement. Pour pouvoir contrôler l'identité de quelqu'un sur la voie publique, il faut qu'on puisse raisonnablement soupçonner qu'elle ait commis une infraction ou qu'elle se prépare à commettre une infraction. Ça, c'est le cadre légal principal. Donc c'est évidemment à l'appréciation des policiers sur le terrain. La question, c'est de savoir est-ce que ce cadre légal est strictement respecté. Il faut quand même fournir un certain nombre d'éléments objectifs. Aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a plus de cadre au contrôle. On est quand même dans une situation où il y a une possibilité de contrôle généralisé. On l'espère pour une période déterminée. Mais actuellement, tout un chacun peut être contrôlé. Donc, il n'y a plus de cadre légal au contrôle d'identité, si vous voulez, ou au contrôle par la police. Donc, si dans une situation normale, on a certaines populations qui sont profilées ou particulièrement visées par le contrôle, là, en ce moment, ça apparaît ou ça surgit d'autant plus facilement. En tout cas, on peut le penser. Et
J'ai un certain nombre de gens que j'ai défendus qui m'ont dit ne pas avoir été au courant, d'avoir été verbalisé autant de fois qu'il leur était reproché. On l'a vu d'ailleurs hein, par rapport à toutes les remontées qu'on a eues dans la presse, etc., sur des contrôles voilà, qui étaient jugés abusifs, aléatoires. Madame, est-ce que je peux regarder dans votre sac si vous avez acheté les bons articles qui vous permettent de justifier que vous deviez sortir? Voilà, on a une large marge d'appréciation qui était laissée aux agents verbalisateurs. Donc c'est très difficile de prouver qu'on avait un motif réel de sortie. C'est très subjectif, c'est de l'ordre du déclaratif. On est dans une situation qui est juridiquement très, très dangereuse, puisqu'on laisse une large marge d'appréciation à un agent verbalisateur sur le terrain pour après caractériser un délit qui peut vous conduire en garde à vue, au tribunal, en comparution immédiate et potentiellement en prison.